Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de cartes. J'ai retrouvé des fonds gel presse que j'avais mis dans mon tiroir et je me suis dit qu'avec le partenariat Globerland, je vais faire deux ATC et une carte format ABC. Sur le thème, donc j'ai utilisé les tampons que j'ai eu Globeland comme ceci. Donc là, c'est les petits gnomes avec des coccinelles, etc. Vu que c'est, on arrive au printemps, et ben, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc j'ai mis sur, donc je les ai colorisés avec des crayons Aquarellab. Donc j'ai colorisé les petits gnome comme ceci, et ici j'en ai fait trois autres. Voilà, j'ai fait les crayons aquarellables puisque c'était plus simple et que c'était plutôt sympathique. Alors c'est parti, je vais prendre de la Versa fine. Je vais utiliser, donc je vais faire quelque chose comme ça. J'ai pas encore d'idée bien précise, comme d'habitude, de ce que j'ai, ce que je vais faire. Hop. Donc là et ici. Donc là, j'ai découpé toujours. Alors là, j'ai fait 8 par. C'est 8 par. Je sais que c'est 8 parce que 8 par 20, c'est ça. Et 6,5. 8,9. Voilà, j'avais fait des fonds gel presse, donc là j'avais utilisé les tubes de chez Action. J'ai pris un tampon et du coup j'ai patouillé comme ça, donc ça c'est fait. Pour le coup, on va nettoyer au fur et à mesure. Alors, les tampons Globeland, pour ma part, je trouve qu'ils tamponnent très bien. J'ai pas eu de souci avec cette planche-ci. Donc, hop. Voilà. Je vais prendre une petite coccinelle que je vais mettre au bout ici. J'ai retrouvé plein de fonds gel presse et je me dis, il faut que je les utilise. Donc, je pense que vous allez voir pas mal de cartes avec des fonds gel presse que j'ai fait. Et c'est vrai que de les faire, c'est bien, mais il faut les utiliser, c'est encore mieux. Je vais mettre cette petite coccinelle là. Vous voyez, j'en ai là. Hop. Vous voyez, j'en ai tout un tas là que j'avais fait avec de l'angle. Ça, c'était avec des tamponnages caravelles. Voilà, et je me dis, bah, ils sont plutôt sympas, je les aime bien, donc il va falloir les utiliser. Hop là. Ici, donc, hop, le petit coccinelle là. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc là, ça va pas fonctionner celui-là. Ça, c'est mon doré, mais je vais prendre quoi? Eh bien, je vais prendre mon noir comme ça.
Je vais faire des petites vagues comme ça. Je vais faire un trait ici. Ici, on va faire pareil. Ah, j'ai pas fait totalement pareil que l'autre ABC que j'avais fait. J'ai pas utilisé de pochoir, par exemple. Du coup, on va utiliser lequel petit gnome? On va prendre celui-là, celui-là, et puis ben celui-là. Hop. Hop là, je vais pouvoir ensuite, donc on va faire un autre, une petite découpe là, hop. Alors le plus long bien entendu c'est de découper. Après je vais, faut que je fasse, que j'en fasse une autre. J'ai encore une vidéo à faire avec Globeland. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Là, je suis partie dans un ABC et deux ATC. Voilà. Ça partira chez des copinettes. Ça plutôt rigolo, les petits gnomes là. On a les gnomes de d'hiver avec Noël, et pour le coup là j'ai les gnomes printemps, donc celui là comme ça c'est pas trop mal. Ici celui là idem, hop, même punition. Bien entendu, le plus long, c'est de découper. J'aurais pu les faire hors caméra, ça aurait été un peu mieux, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Et hop, un autre petit gnome ici, et le dernier, alors hop, donc là hop, on a le petit ballon histoire de fêter un anniversaire bien entendu.
Je suis presque au bout. Alors, j'espère que votre week-end de Pâques s'est bien passé, que la récolte des chocolats a été bonne. Chez nous, comme toujours, trop de chocolat. Et après, c'est comme ça. Donc là, je vais coller ça en 3D. Hop. J'irai peut-être chercher dans mes petits mots tout à l'heure pour rajouter, histoire de rajouter un petit mot dessus. Une petite étiquette sur les mots Saga Postcrap que j'avais, que j'ai imprimé en plusieurs exemplaires. Je pense que je rajouterai un petit sentiment ici. Ici, je sais que c'est pour un anniversaire, donc j'ai sorti un petit sentiment ici. J'avais un morceau de papier tout à l'heure, voilà. Hop. Donc ça, je vais ancrer juste les bords histoire de donner un peu de couleur. Lui, je vais faire pareil, je vais ancrer les bords un petit peu. Voilà. Tac, tac, tac. Ici, on va la mettre en 3D. Le petit gnome ici. Oh, je vais y mettre du fil doré, tiens. Hop. Ouais, on va mettre du fil doré, tiens. Hop, j'en ai là. Depuis que je l'ai, j'en mets partout. Coup de fil doré, je vais mater l'ensemble. Hop, j'ai mis 8,5, je crois. Hop là, schlac. Hop, ça bouche entre deux. Hop, ça va moitié boucher. Allez. Comme ça veut pas, ça veut pas.
du coup, je colle ça comme ceci. Je vais donner juste un petit coup de ciseau ici. Et voilà. Et voilà. Une petite carte avec un fond gel presse. J'ai peut-être rajouté 2-3 strass, je pense. C'est même sûr. Je vais mettre 2-3 strass en plus. Et donc, on a ici l'ABC et 2 ATC comme ceci. Et hors caméra, j'avais fait un petit test sur un fond bleu comme ceci. Donc voilà, on a... Hop. Et voilà, donc je remercie encore Globeland pour leur demande de partenariat. Les tampons se sont super bien tamponnés, la colorisation ça se fait très très bien. Donc voici mon petit mes deux petites ATC, voilà, et ma petite carte faite avec ces tampons. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.